Ok, donc on est dans Mindtest avec quelques ajouts pour pouvoir peupler un fond d'océan. Donc on va. Voilà. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc, bonjour Martin, donc mon petit neveu qui est sur le serveur de jeu avec moi. Montrer. Voilà, coucou. Là je me fais croquer par un, voilà, un requin. Bon. On va commencer par planter des coraux. Voilà, donc on va aller chercher dans l'inventaire. Donc ici on a les coraux. Voilà. Voilà. Donc on peut planter des coraux ou bien avoir des coraux déjà grands. Donc là, on va mettre ça de côté. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est des algues qui poussent et là, des algues poussées. Hein. Et on peut faire pareil avec les anémones de mer. Et voilà. Là, par exemple, je vais planter ici. Voilà. Je vais planter. J'ai planté des petites algues, voilà, qui vont pousser au fur et à mesure. Hein. Voilà, elles poussent déjà. Voilà. Ensuite, je peux en changeant. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre les poissons et les algues. C'est un peu dommage, qu'il faudrait peut-être inventer des choses. Donc, voilà. Je peux mettre d'autres poissons. Par exemple, donc, là, on a des petits poissons. Je peux mettre un requin. Et par contre, il attaque tout le monde. Voilà. Il est là, le petit requin. Donc là, je pense. Paf. Donc on a plein d'autres choses. On a des crocodiles. Voilà. Donc là, je vais me faire attaquer par le crocodile, évidemment. Il me suit. Ah bah je vais être obligé de voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi donc là ça on a vu les petits poissons voilà et puis bah après on peut voilà, explorer les fonds marins. Donc, on a des dauphins aussi qui sont un peu plus pacifiques. Je sais pas si on voit des voilà un petit dauphin. Sinon on va le suivre. Lui il est gentil. Donc là j'ai des petits poissons ici là, qui aiment bien la lumière manifestement. Voilà pour l'instant ce qui existe hein, sur les tests.